principal, M. Diego Garzetto, et son adjoint, je ne voudrais pas dire son fils, parce qu'il ne le parle. Son adjoint Tony, Sfarak Mfunjouma, et Rabani Mfunjouma, Hakim, c'est le son neuf. N'ayez pas peur de parler un peu plus fort. Souviens-vous de ça? Bon, je suis content d'être revenu parmi vous. Hein. Donc, ça s'est mal terminé pour nous en fin d'année, en suivant tous les problèmes qu'on a eus. Donc, j'espère que cette année, on va remettre les pendules à l'heure. Si on m'avait laissé travailler, on aurait certainement fini dans les trois premiers. Ça, j'en suis persuadé et sûr. Hein, malheureusement, ça s'est passé comme vous le savez, ceux qui étaient là. Bon, maintenant, on efface tout, hein, on efface le tableau et on recommence à zéro. Après, je vous répéterai ça après. Hein, je pense que Adel, Hakim vous ont dit les deux, trois premières choses que je ne veux jamais voir. Hein, je ne veux jamais voir un téléphone ici, là, en train de téléphoner. Hein, je ne veux pas avoir des casques comme ça. Alors que vous êtes là tous ensemble, hein, vous devez discuter plutôt que d'écouter la musique. La musique, vous l'écoutez dans le car ou dans votre chambre. Donc les trucs comme ça, je ne peux pas les voir. Hein, les téléphones sur la table, les casquettes à table, je ne veux pas de ça. Okay, c'est des petits trucs de pas grand-chose, mais c'est la propreté, okay, donc faites-le correctement. Physiquement, vous allez bien travailler parce que vous avez le ballon. Et techniquement, c'est ce que je veux voir. Ok ? Donc, à la fin, on fera une petite opposition là, avec les joueurs qui sont là. Je vais me mettre un peu dans les tribunes pour vous voir un petit peu. Aucun thème, juste pour voir comment vous êtes. Après, je verrai un petit peu ce qu'il faut faire ou pas faire. D'accord ? Hein ? Donc, n'ayez pas peur. Si vous n'avez pas compris, parce que le président a parlé en arabe, je ne sais pas si tout le monde comprend l'arabe, si tout le monde comprend le français. Si vous avez un problème, venez, demandez, j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de demander. Hein, pas vous dire, putain, j'ai rien compris, qu'est-ce qu'il veut, et voilà. Venez demander, on vous explique en 5 minutes et c'est parti. Adèle parle bien, je pense, l'arabe. Donc s'il y a quelque chose, demandez-lui qu'est-ce qu'il a dit, hein, parce que je parle français. Qu'est-ce qu'il a dit, et tu le purées les aussi. Ah, ok. Voilà. Allez-y. Thank you.
Monsieur Garzetto, de l'État de la Constantine, quels sont vos objectifs? Bah écoutez, moi je suis un gagnant, donc il est clair que je ne suis pas venu pour me promener, je suis venu pour faire gagner l'équipe. Et donc mon message, hein, c'est bah, le travail, c'est la discipline, la rigueur. Et puis je pense qu'avec le groupe que l'on a, si on arrive à trouver peut-être encore un ou deux joueurs de qualité, on pourra faire quelque chose. Un mot sur la question, l'heureux des supporters. Bah, les supporters, bon, ils ont vu ce qu'on a fait pendant les 5 mois qui ont été les nôtres. Maintenant, bah, je pense qu'ils doivent nous supporter et puis supporter surtout l'équipe et pas un joueur, c'est l'équipe, le groupe en entier. Et je crois qu'on aura peut-être des petits soucis d'entrée, mais bon, petit à petit, on va essayer d'estomper tout ça et puis de faire un bon parcours.
parcours. Donc il faut qu'ils nous aident par leurs encouragements jusqu'au bout, en sachant qu'on a peut-être un peu de retard avec beaucoup de nouveaux. Et vous savez que quand il y a beaucoup de nouveaux comme ça, il faut du temps pour qu'ils se connaissent. C'est pas en quelques semaines qu'ils se connaissent. Donc il faut être indulgent et nous soutenir. Comment tu as trouvé le groupe par rapport à celui de l'année passée? Ben écoutez, déjà c'est un groupe qui est sain, donc c'est une chose intéressante. Maintenant c'est mon premier entraînement, j'ai eu quand même quelques joueurs que je connaissais qui ont des qualités. Je vous ai dit, bon, il manquera peut-être un ou deux joueurs pour avoir un bon groupe et faire un bon petit championnat. Donc on est là. On n'est pas favori, on est là pour travailler, on va travailler dans le calme. Est-ce que vous faites le carême? Écoutez, moi je suis catholique, le carême le fait à une autre date, c'est pas la même date que vous. Vous avez essayé déjà? Oui, l'année dernière on l'a fait, donc on a fait comme les joueurs, on a mangé, on a dormi pendant que... Comment vous trouvez? On s'est trouvé bien, parce que bon, c'est un décalage, mais bon, si on le fait correctement, si on fait pas de bêtises, ça devrait aller, quoi. Bon, je pense que les joueurs vont bien manger tout à l'heure, ils vont bien dormir, demain à 5h, bon, c'est sûr que ça va être un petit peu dur, mais bon, ça se passe bien quand même. Quel est ton plat préféré ici à Constantine? Bah écoutez, je sais pas. Ils m'ont dit le chou ici chez Boubon. Ah, j'ai mon ami là, et on a mangé l'autre jour, c'était très bon. Il est bon? Ah oui, oui. Et il me fait un bon petit plat. Alors il va nous inviter? Eh, bientôt, on va y aller. Non, c'est sympa. Un mot au peuple algérien à l'occasion de l'Aïd. Bah écoutez, qu'est-ce que je peux dire de plus? On est tous des croyants, on croit, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? La paix, la paix, la paix et la paix.